sorti quand déjà de prison ? Il y a une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner ta vie ? Là, je vais faire un peu d'intérim. Celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là ? Oh putain ! Quoi ? Mais il est canon ! Sylvie ! Et qu'il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas ? C'est plus une prison, c'est un club de rencontres. Je suis ta mère, quand même ! Je m'en fous, t'es complètement folle ! Alors vas-y, c'est quoi cette fois-ci ? C'est les smartphones ? Du caviar. 3000 euros le kilo ? Tu appelles tout de suite et tu dis oui ! En plus, vous faites ça en famille ! Je comprends pas, c'est chez qui ici ? Mais c'est chez nous ! On est en plein centre-ville, avec quoi t'as payé ça ? J'ai trouvé un flingue dans sa poche tout à l'heure. Quoi ? Ce type est dangereux, il me ment depuis le début, arrête, quoi. Regarde comme elle est heureuse ! Regarde ! Mais c'est que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Bah non, tu peux pas puisque t'aimes ma mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi ? Sérieux ? Il arrive tous les soirs à 23h précis sur le parking. Il s'assoit toujours à la même table. Comme ça, il a un œil sur son camion. Donc ça nous laisse à peu près 40 minutes. On fera 10-15 de plus. Pourquoi elle drague pas le chauffeur ? Non, c'est clair et net, c'est non. Je veux non, draguer le chauffeur. Mort, tu restes assis. Je veux draguer non, le chauffeur. Ouais, je suis routier, je suis en train de me faire braquer mon camion, là. Un truc que jamais, jamais t'aurais dû faire. T'as touché Abel. Tu veux vraiment savoir ce que j'en pense, là ? Ouais, s'il te plaît. Parce que ça peut être d'une violence extrême, hein, ce que je vais te dire. T'aimes pas le pantalon ?